Yo les gens, c'est Maxime Moulin, vous m'avez reconnu. Et TH5, salut. Voilà, qui a fait son comeback enfin. Ouais. Il a fait son coming out de visa. Ouais. Voilà, n'allez pas croire des choses. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour Halo. Voilà, ça va la être marrant. Suite, ça continue. Et peut-être du Project Zero. Normalement, si tout se passe bien, il participera au début de Project Zero. On n'aura pas le temps de faire toute la vidéo parce qu'en général, c'est entre 1 heure et 2 heures de rush pour finalement 20 minutes à 40 de contenu. Voilà, c'est ça. Voilà, donc j'espère que ça vous plaît. Voilà, c'est la qualité, c'est bien. Yes. J'ai la confirmation, il est d'accord. On n'a pas oublié de faire l'intro. Ah non. Et après la cinématique, l'intro. C'est avant. Non. Alzheimer, c'est précoce hein, quand même. Du coup, attends ce que tu... La mort de l'arbitre. C'est pas l'arbitre, oui. C'est le prophète de je sais plus quoi, lui. Alors, c'est pas le regret c'est l'autre qui est mort. J'aime bien la tête de cette Cortana. Ah, moi je kiffe aussi. Ce que j'aime bien, c'est que ça a repris, on était en pleine conversation. Oui. Au niveau du montage. Vous ne saurez pas sur quoi. Ah oui, toi t'es comme ça, à la Wack Cortana, quoi. Je fais sauter les réacteurs. Moi, je vais te chercher la voix. Il faut quelqu'un pour déclencher l'explosion. Je dois rester ici. Ah, c'est bon, t'as meublé? Même pas. J'ai pas meublé. Ah, du son. La cinématique. Il y a du son, c'est bien. Ça m'avait manqué. Et donc là, on affronte les floods. C'est le dernier niveau d'ailleurs. Hein. Ouais. Et tu sais aussi, c'est le premier où on les affronte avec le Major. Parce que t'as pas remarqué que jusqu'à présent, on les affrontait qu'avec l'arbitre? Si. Et c'est vachement cool. Un pélican, mais contrôlé par les parasites. Et par contre, donc j'ai refait le niveau, tu sais, j'avais dit en solo de mon côté. Et par rapport au précédent niveau, on n'affrontera plus les élites, là. Parce que tu te rappelles que dans le précédent niveau, t'étais en plein milieu, tu sais, de la bagarre entre les différents. Si tu te rappelles, entre le camp séparatiste... Tu... Après, je la chaufferai. Ouais. Entre le camp séparatiste, tu sais, loyaliste. Ouais. Bravo. Je regardais pas. Ah bah, tombe bien dans la ville, hein. Non. Je spawn à un endroit bizarre. C'est pas la première fois. Bon, c'est bon. Ça suscite. Donc, on avait eu la baston et tout. Je crois que le jeu veut que tu fasses tout seul. T'as vu, il est mort, là, les trucs. On vient d'où, nous, en fait? Ah oui, on vient de là-haut. Là-haut. Et donc oui, cette fois-ci, en fait, les séparatistes, ils sont tous morts. Voilà. C'est-à-dire que les brutes les ont butés ou le parasite, et on va affronter que les loyalistes au Covenant, tu vois. En fait, on était en train de parler de celle qui va doubler Heather Mason, et dont on taira le nom, parce que pour le moment, même si elle est super partante pour le truc, j'ai pas demandé si elle voulait être créditée par son vrai nom pour un pseudo. Pour l'instant, c'est Anonyme Girl. Donc il faut que je converse avec elle. Mais elle est partante pour tout. Elle est très ouverte, très calme. Ça me plaît bien. Miam miam. Je mange le Big Mac. Alors, ouais. Donc, ouais, Nania. Je suis... Ok. Bichou à tous, c'est Mohamed Mera. Et on se retrouve au... Ouais, il faut commencer sur du... Tu sais, sur des sujets polémiques comme la dernière fois. Non?
Si tu fais ça, moi je m'en fous, je te laisse dans ta merde, hein. Ouais. Clairement, je te laisse t'enfoncer, hein. Ouais, bon, déjà que tu t'enfonces pas. Non, mais le mec. Avant, je lui. Putain, en plus, il a un pompe, ce fils de pute. Par contre, avant, je lui. Au moment de faire l'intro que vous avez vu de la vidéo, je lui ai dit, voilà, comme ça c'est fait, on n'aura pas besoin de la faire. Et qu'est-ce qu'il nous fait juste après? Tu sais, quand on commence là, mais l'intro, on l'a fait ou quoi? Voilà. Ah, des fois, il mérite une paire de claques quand même. Non, mais je savais pas. C'est quelle main? C'est la tienne. C'est la mienne. Plus de batterie? Je sais pas. Maxime Moulin n'a plus de batterie dans sa manette. Il va devoir très vite. Ça clignote. C'est bon signe ou pas? Bon, on va changer les trucs. Alors, pendant ce temps, meuble. Raconte-nous un peu le court-métrage que j'ai prévu là. Alors, Maxime a prévu de faire un court-métrage. Oui, je vais enfin reprendre les courts-métrages. Alors, rêvez pas, on reviendra pas à un rythme genre de 3 courts-métrages par mois, comme à une époque. Hein. Ouais, parce que t'avais vu hein, le nombre de courts-métrages en peu d'années. J'ai été étonné. Faut dire, bon, ce sont des courts-métrages. Bon, c'était pas ouf le début hein, des courts-métrages. Hein. J'ai envie de te dire, ben ça, c'est. Les débuts sur YouTube, c'est toujours comme ça. Hein, Chope le drapeau, tu sais, comme dans les modes multi. Non? Capture de flag, hein? Ouais. Ouais, donc continue, ouais. Donc le prochain court-métrage, donc il y aura justement la personne, n'est-ce pas, anonyme, qui jouera un personnage déjà connu, on va dire, de l'univers des courts-métrages, Arlex, voilà, qui est inspiré d'une vraie amie. De ce côté-là, et donc voilà, hein, tout ça on l'avait déjà vu dans le tout dernier court-métrage, c'était la petite surprise. Merde. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je vois? Ma vision était en haut noir là d'un coup, j'ai pas compris. J'ai vu ton écran, c'était magnifique l'écran noir. Ouais, c'était. Pourquoi pas, retour Windows aussi. Normalement, les niveaux vont pas être super longs de ce que je me fie à ce niveau. Le précédent niveau, tu sais, celui qu'on n'avait pas fini au complet, lui, il était très long. Même avec Steve, on a mis une quarantaine de minutes à le faire. C'est l'un des plus longs. Tu vois, il est court. Normalement, on a mis 20 minutes, même pas à le faire, je crois. Et moi, ces temps-ci, je fais du Life is Strange, Before the Storm. Allez, regardez sa chaîne. Je voulais que le premier épisode... Et on a déjà vu son visage hein, sur sa chaîne, c'est pour ça qu'il apparaît. Voilà, petite apparition... C'est ma première apparition et franchement je vais voir comment ça va se passer. Les drones. Voilà, j'en ai shooté un. Shoot les pigeons. Duck Hunt. What? Ça a de la gueule quand même ici hein. What? Je ne bouge plus. Ok, j'ai plus de balles. Alors on voit que les trucs commencent à pousser sur le mur. À peine ils sont là, ça commence déjà à partir en couille. Ça, c'est les fameuses pustules. Ouais. Et si tu te rappelles, dans Halo 3, on revisitera cet endroit et en fait, ce sera entièrement couvert avec le temps. Je sais pas si tu te rappelles dans Halo 3. Oui, Halo 3, bien sûr. Ouais. Halo 3 est un des Halo que j'ai adoré pour ses décors. C'est quand on ira chercher Cortana, en fait, si tu te rappelles. Ouais. Ouais. Halo 3. On le fera. Alors je vous dis déjà, Halo 3 on le fera je pense en multi aussi. Ça dit, ça marche? Ouais. Gérard. Ça marche. Je suis un survivant de l'enfer, gna 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 gna. Halo 3. Et le mec il y va quoi, je pense une grenade le mec. Il marche dessus, il l'avale. Bon, pendant que tu élimines les ennemis, je vais me chercher mon matas à moi. Et décris ce que t'as pensé de mon synopsis de court-métrage. Pour ça. Tu spoil pas les trucs qu'il y a, tu vois. Tu parles que de, tu effleures, parce que tu comprends où je veux en venir. Hein? Oui. Alors, bah du coup, je vais meubler cette vidéo, et je vais aussi faire une petite surprise à Maxime,
il veut que je parle de son court-métrage, je vais parler d'autre chose. Et donc, entre ça et c'est Histoire 2, en plus ça serait partante aussi pour du forum et pour des vidéos comme ça. Merci de m'avoir présenté ton amie. Elle est super, encore plus cool que ce que t'as dit. J'aurais pas cru que c'était possible. Mais si c'est possible avec la carte Kiwi. C'est vrai qu'on va se marrer. Et donc j'espère que ce scénario vous plaira et après on verra qu'est-ce qu'on fera. Hein. On a notre projet là qui va nous prendre du temps aussi. Oui. Surtout que tu seras un peu moins là. À cause de tes trucs. Hein. À cause de mon stage. Ouais, de ce côté-là. Mais j'espère qu'on s'en sortira bien. On essaiera si on se débrouille. Faudra au moins faire une scène chez toi. Pour faire la scène chez justement le personnage principal. Quand elle se réveille, chez elle, dans sa chambre. Ensuite, dans le scénario, ouais, on aura, sinon, globalement, ce sera quand même principalement chez moi, comme d'hab. Hein. Par manque de budget niveau endroit à tourner. Hein. Non, mais après, c'est par rapport au scénario. T'inquiète pas, on va louer un studio d'enregistrement juste pour faire une vidéo. Faites comme chez vous, oui, hein. Bon, voilà, on va aller à Paris, on va prendre un studio chez Webmedia. Oh, par contre, tu sens ce gaz, ça pue, hein. Ouais. C'est toi qui as pété. La blague de merde. Il y a des élites ici, qui sont morts. Et c'est le cas de qui? Ce qui fait là, c'est que c'est les brutes qui ont réussi à survivre face aux parasites et les élites pas, alors que les élites ont une arme. Mais tu vas pas me laisser sur un malaise tout de même? Oui, si. Y a pas de raison, frère. Y a pas de raison, toi tu me laisses. T'as dit que t'allais me laisser sur les malaises, bah moi je te laisse sur les malaises aussi. Hein, hein? Oui. Fils de pute! Reste dans un endroit au milieu. J'ai dit reste un endroit. Je t'avais dit de rester dans un endroit au milieu! Tu m'as pas écouté! T'es mort, esprit. Bon allez, ressuscite. Youhou. Voilà. Un point de contrôle. Fais gaffe, survivre. Ah, il y a les boum boum. Bim boum badaboum. J'ai eu ces petits trucs, c'est chiant à tirer dessus, en plus ça te saute à la gueule. Mais c'est vrai que ça me fait rire que les élites aient pas survécu face au truc. Alors je sais pas si c'est les brutes qui les ont tous butés ou si les parasites. Sachant que les brutes sont plus à découvert que les trucs, hein. Y'a que moi que ça fait rire. Je dis ça, hein. Ouais, y'a que moi que ça fait rire. D'ailleurs, en parlant de rire, on a fait la critique sur Joker, là, mon ami. Sur Joker. Ouais. Bon, il est où le flingue? Putain, il m'a fait tomber l'autre connard. Ah, il m'a levé la flingue. Je cherchais. En tout cas, je peux avoir les deux en même temps. Putain. Ah oui, tu sais, on parle d'un court-métrage. Ouais. C'est qui va faire les effets spéciaux? C'est évidemment ton ami. Ouais, c'est ça, ouais. Bien sûr. Je vous l'ai pas dit, elle fera aussi ça, évidemment. Mais non, bah non, c'est moi. Qui, moi? Ça saute. T'es un enfoiré. Ouais, je sais. Ah, c'est mûr. Ouais. J'aimais bien le design de ces endroits-là, je sais pas toi. Enfoiré. Tiens. Ouais. Toi aussi, t'adores la gueule de ces zones-là, je trouve, ouais. Qu'on visite. Bon, moi, je vais les laisser s'affronter. Hein. La musique est pas mal aussi. On dirait, on est vraiment dans un truc d'horreur, je sais pas ce que t'en penses. Ouais. Ou tu t'en fous? Qui s'y a? La musique, ça fait horreur, on est d'accord là. Oui. Les experts, tu sais, genre le mec qui écoute rien. Ouais, on a l'habitude, c'est déjà pareil sur le projet. Hein. ouais, ça trash talk. Hein. Maxime adore me taquiner. Te tacler, tu peux dire, t'enculer sauvagement sur la table aussi. Si t'es d'humeur. Jouasse.
je te mets du foutre alors, partout. Tu pars dans des délires chelous, mais... Lance-roquette! C'est bon, zone nettoyée. J'avais juste... Attends. Lance-roquette! Zone nettoyée. Il ramasse même pas son équipement, c'est bien. Bat les couilles, hein. C'est là qu'on reconnaît le sens du professionnel. Ah mais Et dis-toi que j'étais encore plus un enfoiré à l'époque. À l'époque, j'étais un gros enfoiré qui arrêtait pas de buter ses camarades. Ouais, ah bah oui. Je me suis quand même calmé. Hein. J'ai hâte que tu participes à de mes projets. T'inquiète pas. Moi, ce que j'ai hâte, c'est de jouer avec ton ami, justement, avec un E. Justement, de voir comment on s'en sort, surtout si on fait des games... Alors... Tu sais, si on fait des games horror show, des jeux d'horreur. Si oui. Je lui fais découvrir des jeux de zombies. Ouais. Je verrai ça. Je verrai comment ça se passera. En tout cas, t'as aimé. J'ai mis le descriptif des tenues des personnages, tu vois, des trucs. T'as bien aimé. Elle aura trois tenues dans le court-métrage. Ça va être marrant à se trimballer. Hein, n'est-ce pas? Bon, en vrai, techniquement, vu qu'on fera sur plusieurs jours, elle aura pas à se les trimballer chaque fois. Normalement, la prochaine fois quand on doublera ces histoires 2, si elle est partante, on essaiera déjà de tourner les scènes en tenue d'été. Voilà. C'est juste pour dire. Ah, n'est-ce pas? Je sais ce que ça veut dire. Au secours! Appelez les Hemdek! Les Hemdek, ils arrivent! Les Hemdek qui arrivent! Ça va, Maxime? Oui, ça va. Et toi? Alors, là-dessus, je tiens à faire un petit message de prévention. Je ne suis pas une tapette. C'est... Non. C'est... Vous voyez les ravages de la drogue? Faites attention. Voilà. Je me drogue pas, fils de pute. Qui c'est qui me dit que c'est pas toi qui te drogue? Ah merde, désolé, je croyais... Bah, en même temps... Tu sais quoi? Ah putain, le bâtard! Voilà! Ah le bâtard! Ouais, en gros, il y a ma tasse d'ice tea là, avec une paille, tu sais, en mode AON. J'ai sorti la paille encore mouillée et je lui ai soufflé dessus avec le mouillé. Voilà. Par contre, et toi Gérard, d'où tu. Hey, t'aurais dû voir, on est en train, tu sais, de discuter tranquille et t'as le. Tu sais, le drone qui arrive comme ça à pied qui fait. Et les gars, qu'est-ce que vous faites? Eh, on est là. Alors attends, je suis sûr que dans les commentaires, ça veut dire qu'on a un comportement enfantin. Et oui, tout à fait. C'est ce qu'il nous disait, Greg, au projet. Ouais, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on s'est fait pas mal. Par contre, ça, on est d'accord que ces trucs-là, ils y seront plus, hein, dans Halo 3, quand on... Les trucs. C'est quoi, ces espèces de lianes-là? C'est des membres du Fossoyeur, ou... Parce que c'est chelou, hein, quand même. Ouais, ça a l'air d'être, mais... C'est vrai que ça, tu reverras plus ensuite, ces espèces de d'arbres. C'est chelou. Hyper chelou. C'est... Mais c'est beau. Oh, on va putain, pas oublier de tomber dans... Oh, là, là. Oh putain, on a vu les limites de la texture, t'as vu? Ouais. Oh là là, c'était moche. Oh là là, c'était dégueu. Je vais te tirer dessus, là, quand t'as parlé devant moi, tu le sais. Oui, bah, de toute façon, je sais. Ça va, t'es encore déstabilisé par le coup d'Ice Tea? Non, ça va. Même si c'était dégueu. Surprise, motherfucker! Ah, c'est con, tu m'as loupé. Attends, reste là où t'es. Juste pour que je vois ce que ça fait. Et là, on y revient. T'as ton cadavre sous l'ascenseur. Il est content. Il a fait sa blague de merde, il est content. Sale connole. Ça va, on a compris, t'as. Mais l'enfoiré. Je pouvais pas m'en empêcher. Ah, ah. Bon, bah. Ah, ah. Ouf, putain, j'ai eu peur. On déconne, hein, chez Maxime Moulin, hein. C'est la joie, c'est la teuf, c'est comme Cyril Hanouna, je vais lui mettre des nouilles dans le slip. Du iced tea dans le slip. Du café chaud. Comme la youtubeuse, tu sais, comme la youtubeuse Kayla, que je t'ai partagé le truc, tu sais, où je me suis inspiré pour une fille que je t'ai envoyée. Elle a reçu du café chaud dans la gueule. Ouais. Sympa, c'est SJW de gauche. Ah, sympa. Ça,
Franchement, je trouve que c'est l'un des lieux Covenant les plus beaux. Je sais pas toi, que tu visites dans toute la saga. Ouais. La haute charité. Ah. Surtout avec la nouvelle qualité. Hein. Ouais, mais déjà dans Halo 3, qui avait déjà une meilleure qualité que Halo 2, alors, ça a de la gueule. Et d'ailleurs, à propos d'Halo, j'ai entendu un truc, les joueurs PC peuvent peut-être me le confirmer, c'est qu'à ce qui paraît, Halo sur PC est taché nouveau gameplay. À ce qui paraît, clavier souris, c'est une horreur à jouer. Je ne confirmerai pas, sauf en présence de mon avocat, parce que j'y ai pas joué. Ouais. Tu sais qu'ici, à la base, on aurait dû affronter un boss particulier des Floods, le Juggernaut. C'est pour ça que le chapitre s'appelle le Juggernaut. Parce que tu sais, t'as des petits noms de chapitres qui apparaissent. Et celui-là, il s'appelle le Juggernaut. Ouais. Parce que c'était un ennemi qui a été coupé. Mais il est encore dans les fichiers du jeu. C'est-à-dire, si tu trifouilles le fichier du jeu, il apparaîtra ici. Pas mal, hein. C'est les anecdotes de Maxime Moulin. Je pourrais même te trouver l'extrait si ça t'intéresse. De quoi il ressemble. Voilà. Te barre pas trop loin par contre, moi je veux. Petit easter egg. J'ai une solution, Major. Je ne peux pas regarder la séquence. Excusez-moi. L'ascenseur vous mènera en haut du conduit. Vite. C'est d'où qu'on venait, c'était de là? Oui. Non, me dis pas qu'il n'y a plus mon lance-roquette. Ou alors je sais pas. Non, je crois que je suis mort ici. Non, putain, j'ai perdu mon lance-roquette. Et cet endroit, ça te rappelle pas quelque chose? Parce que les pièces ici, tu sais, avec les trucs autour, c'est ici qu'on ira récupérer Cortana dans le 3. Ça te rappelle pas un peu l'arrangement de la zone, un peu? Si tu te rappelles des pièces là, ouais. C'est exactement par là. Sauf que les ascenseurs, si tu te rappelles, ils seront remplacés par des bouches. Si tu te rappelles Flood, si tu te rappelles les trucs qui s'ouvrent. Et oui, Jamy, encore une anecdote. Et c'était quoi l'easter egg que tu m'as montré? C'est juste moi qui raconte les anecdotes. Oui, et j'ai dit une easter egg de Maxime. Mais... J'aime pas qu'on marche dessus. Alors, tu me mets un Sofiane sur 20 niveau. Alors, pour ceux qui se demandent c'est quoi un Sofiane, c'est... Ou un Damien sur 20, c'est plus haut, Damien c'est le double. Tu mettrais quoi, entre les deux? Oh, quoi que, attends, quoi qu'un Sofiane c'est déjà assez élevé. Ouais, mais en gros, Damien c'est très simple, le mec, avec Steve, quand ils jouaient ensemble, c'est dans Saints Row 3, il aimait bien le tuer tout le temps aussi, c'est en gros moi quand j'étais petit. Mais encore maintenant. Ça veut dire chaque mission il a fait foi, genre 5 fois pour en butant un truc. Ouais. Voilà, c'est ça hein, Damien sur 20. C'est à dire le mec il trahira à chaque fois pour en survivre. C'est pas mal hein. Ici aussi tu reconnais pas un peu la zone? Ce genre d'endroit c'est ce qu'on revisitera dans Halo 3 aussi. Ce genre de pièce. C'est pas mal. Et normalement on a presque fini le niveau. Je crois que c'est à l'autre bout en plus. Ouais, on a fini, on va finir le niveau. Voilà. T'as vu que c'était rapide quand même là. C'était très rapide. J'avais dit 20 minutes, voilà, et le prochain niveau. Ce qui veut dire qu'on aura le temps de faire un peu de Project Zero. Mais comme c'est parti. Possible. Essaye au moins de participer au début. Oui. Tu sais, tu fais salut les gens et ensuite tu pars. Major, une fois sur Terre, bonne chance. Une fois que j'ai fini. Ouais, on changera de jeu. Hein. Je jouerai en coop avec l'arbitre la prochaine fois au lieu d'avec mon double. Du coup, tu vas faire Project Zero sur. À finir sur Xbox. Je vais finir aussi le 2 parce que j'avais commencé le 2. Sauf que je veux faire la vidéo avec Steve, la vidéo de fin. Comme il était déjà apparu dans le Let's Play du 1.